Bonjour tout le monde, je vous parle de mon jardin. Cette semaine, c'est ma dernière semaine à la direction générale de l'atelier d'innovation sociale. Je m'en vais évidemment m'occuper de mon bébé et je voulais vous remercier pour l'année extraordinaire qu'on a passée. On aurait pu s'attendre avec la pandémie à ce que ce soit une année un peu plus calme à l'atelier, mais ça n'a pas été le cas du tout, loin de là. Je peux pas tout nommer ce qu'on a fait, il y a trop de choses, mais je pense évidemment au Salon de l'innovation sociale, le premier de la région qui a réuni plus d'une centaine de personnes. Je pense à notre pôle d'animation et de facilitation, un tout nouveau service qu'on a lancé et où plus de 600 personnes se sont formées à faire des activités engageantes et inclusives en ligne. Je pense évidemment au Cercle, notre nouveau mode de gouvernance partagée qui va continuer cette année et à son budget participatif, où environ une cinquantaine de membres se sont mis ensemble collectivement pour décider lesquels de nos projets allaient être financés. Ça, c'était vraiment fantastique comme moment. Et voilà, je voulais vous en remercier. Ça a été une année formidable, très enrichissante pour moi. J'ai été heureuse de vous côtoyer et je voulais aussi vous inviter. Comme on entre cette année dans une nouvelle phase à l'atelier, on procédera à une réouverture cet automne. À venir à l'atelier. L'atelier, c'est votre maison. Je vous invite à venir y faire vos projets, à y développer vos idées, à rencontrer les autres membres, enfin en personne, après toute cette période d'isolation. Et j'ai hâte de voir ce que vous en ferez. Alors, je vous souhaite une très belle année. Je vous remercie encore pour celle qu'on a passée ensemble. À bientôt!